Yo les gars, big up, vous êtes bien sur la chaîne YouTube de I Am OG Vlog. Aujourd'hui, c'est mon premier vlog et on va découvrir une moto qui est vraiment mythique. C'est une moto qui appartient à un gars, un super gars qui s'appelle Thierry. Et il a accepté que je présente sa moto, comme vous le voyez. Actuellement, la moto est chez Mam Cher. Donc on va aller découvrir la moto ensemble. Allez big up, on se capte tout de suite. Alors, Monsieur. Oui. Alors. Cool. Hey, Omar. Yeah, c'est non. Ça se passe. Tranquille. Oui, ça va, nice. Ça va, nice. Nous sommes comme Bouba. Oui, Alhamdulillah. Ah, c'est très bien. Bon, c'est lui, mon cher, comme vous le voyez. Oui. Ouais, c'est lui qui a fait toutes les modifications. Je vais montrer juste un peu. Oui, oui, oui. Ouais. C'est bon, je vais vous dire. Je vais vous dire. Comme nous qui avons moto, nous avons une moto qui est une passion. Donc nous avons une moto qui est une spécialisée. Comme nous avons une moto qui est une moto qui est une moto aussi une moto sport, de n'importe qui moto qui est une moto qui est une moto qui est une moto qui est une moto qui est sinon, tu as fait quelque chose? Oui, c'est une passion. Comme moto bi ya des trucs sport ci melni Thierry mom bëgg na lolu ba paré ñamé na pour def ko ci motom donc ñoo ñi da ngay sawar pour ligéyel len pour ligéyel len quoi c'est ça luñu bëgg quoi effectivement parce que sécurité avant tout voilà sécurité aussi parce que moto bi par exemple détail yi ngay moto bi boko gissé ni ya ngi giss tout est décoré OK maintenant bagage yu ci giss yépp mu nekk ci moto bi dara nekku ci lo xamanteni ci ni dañ ko ci def ni rek lepp c'est des trucs yo xamanteni bu nek rek amna lu muy jariñ ci moto bi OK wa de A à Z nak okay. Amul ben option bo gis fi parce que duñu yakar ni comme dañ ko jël ni rek ouais. Pour def ay décoration kessé exactement nekul lol kessé c'est une moto accessoire yi ngay gis yépp c'est vraiment une moto yo xamanteni ya des protection amna ci yo xamanteni pour sécurité kikoy dawal okay. Genre lol ça parce que bon on peut dire une chose. Si tu as une moto, ta moto doit te ressembler en fait. Voilà, ouais. Voilà, c'est ta pour moto, ça. Donc, franchement, ta moto doit te ressembler. Sur l'équipe déco et tout. Tu voilà. Vois. Et c'est ça qu'on va sur la moto. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, là, je vais vous laisser découvrir la moto. Ouais, allez. Ouais. Ça va? Oui, cool. Je suis venu aujourd'hui pour découvrir la bête. Ouais, tu as raison. La bête, elle est là. Hein. Ah, bah ouais. Donc, on va aller la voir là sans plus tarder. Ouais, ça fait l'occasion. Ouais, ça fait. Mon misère de mon gondam. Ouais, mon cher de go kidnapper quoi, vous me gondel. Mon cher de une mise. Ah, mais comment?
Thierry, je te laisse me présenter la moto. Ok, ok. Bah écoute, Omar, il s'agit d'une BMW S1000RR, ouais. Modèle 2013. D'accord. Donc pour les caractéristiques générales, c'est pas très compliqué. Donc on a un poids de 204 kg à vide. Ah ouais. Donc, sans le biker, sans le driver. Et au niveau de la puissance, en mode standard, c'est-à-dire il y a trois modes de conduite plus un mode caché. Okay. Il y a le mode rain, sport, race. Mm-hmm. Et il y a un mode caché qui s'appelle le mode slick. Le mode slick, c'est lorsque la moto elle est complètement libre. Okay. Sur ce modèle, le débridage il est électronique. Ah ouais. Okay, il n'est pas mécanique. Donc ça se fait à l'aide d'une clé qu'il faut, comme sur les dernières GS, qu'il faut brancher sur la moto pour avoir accès au mode caché. Okay. Donc en mode rain, qui est le mode le plus léger, tu as accès à 163 chevaux. Okay. Mais en mode slick, tu as 197. Ah ouais. Donc y a, la différence elle est considérable. Exactement. En mode slick, tu as la moto elle est complètement libre. Ouais. Et, là, pour les autres aspects mécaniques, un peu plus techniques, je crois que Mam Cher il peut te donner plus de détails. Ouais, parce que moi là, je vois pas mal de modifications côté esthétique, tu vois. Avec cette mélange de couleurs, rouge, noir, comme vous voyez ici. Bon, franchement, il y a pas mal de modifications qui ont été faites sur la moto. Surtout après, on va revenir sur ça aussi. Oui. Parce qu'on a mis beaucoup de trucs à maintenir ici. Donc c'est très important pour que les gens ne soient pas préparés. Par exemple, les gens ne sont pas préparés sur la moto, ils ne savent pas où ils vont. Mais comme Thierry, moi et moi, on fait beaucoup d'échanges. Moi, j'ai géré côté esthétique, je fais mécanique. Okay. Mais ce qui est le rôle, c'est qu'ils vont. Par exemple, pour la moto, on a mis beaucoup. Comme par exemple des filtres BMC, on a mis des bougies. Vous avez changé le filtre. Voilà, on a changé le filtre, des bougies à chaud, ah ouais. Comme les bougies électroniques. D'accord. Changé. On a changé aussi notre kit transmission parce que nous, d'origine, quoi, mais on a fait des kits transmission pour savoir qu'il y a une phase pour savoir qu'il y a une légèreté de sécurité au moto. L'échappement aggravé aussi. Hein? Ah, okay. Comme nous l'avons dit, ligne pour l'échappement. On a changé la ligne. On a mis un peu aggravé. Juste pour augmenter la puissance moteur. Ah, d'accord. On a même fait les réglages de fourche. Voilà, d'après ce que Thierry m'a dit. Ouais, ouais, fourche, c'est très important. C'est bien que tu en parles. Parce que réglage fourche, surtout si sportif, c'est primordial. Okay. Parce que, amul ben réglage. Ça convient à tout le monde. Donc, moto beaucoup de données, donc personnaliser, régler selon sa taille et ce poids. Okay. Actuellement, on a éliminé son catalyseur. Okay. Parce que pour avoir puissance, pour sur les, il fallait qu'on lui défende l'eau. Aussi, on a oublié quoi. Échappement. Okay. Parce que bouillon d'origine, il fallait fermer. Il fallait fermer quoi. Ouverture au niveau d'accélérateur. Donc maintenant, nous devons les motos, et c'est très important. Exactement. Parce que lorsque j'ai fait le petit accident, je suis tombé en fait sur le côté. Okay. Et c'est ces deux pièces qui ont protégé la moto. Donc le crash pad a pris. Parce que sinon, là aussi moto a pris. Et ça a fait que tout le carénage est resté intact. Ouais, et aussi,
les protège-leviers. Ça aussi, ça fait, c'est, les gens pensent que c'est uniquement esthétique, mais non. Ouais. Parce que ça protège non seulement, ça protège les freins, mm-hmm. et ça protège aussi les mains. Ah ouais. Mais nous nous préparons ça pour adapter aussi une ligne inox. Donc, bon, bon, après, on va vous donner une phase de vlogging. Ah, ok, c'est super. Bon Thierry, côté protection radiateur, on a quoi là? Ben écoute, j'ai mis des grilles de protection pour le radiateur. Ok. Sur la S1000, il y en a deux. Hein. La moto, allez, on se retrouve dans quelques minutes. Sinon, tranquille. Tu vas bien? Ouais, cool. My again, Idem. Bon, on va aller à la corniche. Amjad, ok, yo, you live now, big up, Jajef, what time is it? J'espère que vous allez bien. Bon là, on va aller tester la moto. Ça envoie, hein? Bon, franchement, elle est magnifique, la moto. Elle est vraiment magnifique. Allez, laissez-nous passer. Hein.
a trop de vent aujourd'hui. J'espère que vous entendez bien le bruit que fait l'ice minerer. Ça envoie cette bête. Feu rouge. Est-ce que vous avez vu son cul? Le cul de la SMLRR. La moto est magnifique. Il a repéré quelque chose là, on dirait. Là, tu as repéré quelque chose. Par contre, il n'y a pas beaucoup d'embouteillage aujourd'hui. C'est pas pourquoi. Et pourtant, on est samedi. Je suis à fond, j'ai même pas le retravé. What? Bon, de toute façon, je vais essayer la moto et je vais vous dire quel est mon ressenti. Pour le moment, je suis en train de profiter du T-Max à fond. Bon, on va l'essayer. Il est temps que je vous essaye cette moto. C'est un truc de malade, Thierry. C'est un truc de malade, Ouais. Donc là, tu me désactives le mode ABS. C'est déjà fait. ABS, ok, je les ai enlevés. ABS et DTC. Ok. Tout est les assistants sont off. Super. Et le mode, c'est en mode race. Donc c'est le dernier mode avant le mode slick. Avant le mode slick, ok. Le mode débridé. Ok, tu peux me laisser alors le mode race. Ouais. Ok. De toute façon aussi, c'est la première fois que j'essaie une SMLRR. J'ai jamais conduit cette moto, donc ça va être mon premier S1000RR. Je vais donner mon ressenti par rapport à la moto. Ok. Incroyable. Par contre, je suis pas habitué à cette position.
mais c'est pas mal, ça fait pas trop mal au dos en fait. Elle est vraiment vraiment smooth. Ouais. On va. Ça. Ah. Wow. Incroyable. Monsieur les gendarmes. C'est incroyable ce que je ressens en ce moment. C'est incroyable, incroyable. Je ne sais pas le nombre de fois où j'ai dit incroyable, mais c'est plutôt incroyable. Le système de freinage aussi est très précis. C'est une moto qui... Franchement, je fais confiance au freinage. C'est ce genre de moto... Premièrement, je peux vous dire que c'est une moto très brutale. C'est une moto où il faut y aller mollo dans les gaz, parce que sinon tu te retournes vite fait. Le système de freinage aussi est, franchement, je peux dire que c'est parfait en fait, parce que c'est des systèmes de freinage Brembo. Donc franchement, je fais confiance au système de freinage, quoi. Pas par rapport à ma MT-07 Tracer, le système de freinage de mer. Truc de malade. Parce que bientôt il y aura un contenu de travel vlog où je vais voyager dans les régions.
là il y a beaucoup d'embouteillages. Là par contre c'est un peu serré. Il y a des travaux qui sont en train d'être faits. Comme je vous l'avais dit tout au début de la vidéo, c'est ma première fois que je roule en S1000 RR. Et franchement, c'est une moto de malade en fait. C'est une moto de malade. Ouais. Tout se joue sur les poignées de gaz en fait. Il faut aller mollo sur les poignées de gaz. Ouais. Franchement, j'ai jamais été aussi confiant sur une moto. Je pense qu'on aura aussi l'occasion de tester cette bête. C'est un T-Max. Bon, je ne vais pas vous donner de détails, mais c'est une moto qui a été entièrement préparée en fait. Donc, au prochain vlog, je pense que je vais vous présenter le T-Max en entier, les préparations qui ont été faites dessus. Ça faisait un moment que je n'avais pas roulé en sportif. C'est pour cela que j'ai le poignet qui me fait un peu mal. Parce que la position, c'est une position baissée en fait. Donc là, tu as le dos courbé et tu as les poignets qui font mal en fait. J'ai pas les couilles de lever la moto. Je vais tenter un petit wheeling, mais là, j'ai vraiment pas les couilles de le faire. Je suis pas habitué aux sportifs en fait. Ok. Ouais, vous pouvez rigoler, hein, mais j'ai pas les couilles de lever la moto. Je suis nouveau chez les sportifs. En plus, il y a mon poignet qui me fait vraiment mal. Ouais. Mon poignet à gauche, je sens beaucoup plus de pression ici. C'est ce genre de moto où quand tu vois une ligne droite, t'as envie d'accélérer. Aïe aïe aïe, je pense que la vidéo va s'achever ici. Ouais, parce que on a assez parlé de la moto. On a fait des tests. On vous a expliqué les modifications qui ont été faites sur la moto. Donc, je pense que vous avez kiffé ce vlog. Et n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Et de me dire ce que vous en pensez dans la vidéo, sur la vidéo. Si vous avez des conseils, des critiques et tout, n'hésitez pas, lâchez-vous dans les commentaires. Si vous avez aussi des choses que j'aurais dû filmer, que j'ai pas filmé, dites-le moi dans les commentaires. Je suis nouveau dans tout ce qui est motovlog, caméra embarquée. Et lâchez mon gros pouce bleu. Et n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un contenu qui va être genre... je vais être très régulier. Genre chaque semaine je vais sortir une vidéo. Donc lâchez un gros pouce bleu, ça donne de la motive. Allez, big up, peace.